Salut les Monacos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la rentrée, enfin, depuis 2 mois. On n'avait pas beaucoup tourné de vidéos, il n'y avait pas beaucoup de choses à raconter sur le jeu. Et là, on se retrouve avec un format que j'affectionne énormément. Des joueurs atypiques à vous présenter qui sont en train de cartonner sur ce début de saison. 10 joueurs que j'affectionne beaucoup et 3 bonus, les amis. J'espère que ça va vous régaler. D'ailleurs, si ça te régale, n'hésite pas, le petit pouce, le petit commentaire avec le joueur qui te fait le plus kiffer de la vidéo. Et je vous invite aussi à venir plus souvent sur Twitter, puisque il va y avoir ces prochains jours beaucoup de communication sur l'événement qui arrive très très vite. Les gars, Sora Rivals All-Star à Bordeaux. Il va y avoir plein de cadeaux, plein de choses à vous raconter. Donc n'hésitez pas à rester connecté. C'est parti sur Sora pour découvrir toute cette liste de joueurs. On est donc en direct sur Sora pour découvrir cette liste de joueurs que je vous ai concoctée aux petits oignons. J'espère que celle-ci vous fera grand plaisir. On va commencer avec les gardiens de but, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants. Enfin, je dis les gardiens, il n'y en aura qu'un seul. Puisque, voilà, j'ai aussi quand même pris le critère financier. C'est-à-dire que je vais essayer de te trouver des joueurs qui ne sont pas non plus super onéreux pour pouvoir te faire kiffer. Ça vient de tous les championnats, tu me connais. Enfin, si tu ne me connais pas encore, tu vas apprendre vite à me connaître, puisque j'aime un peu tout ce qui est exotique des joueurs dont on t'entend pas trop parler. C'est-à-dire là, je vais pas te sortir des gros stars que tu connais, je vais pas te sortir la minérale, mais plutôt des petites pépites ou des joueurs d'expérience qui pourraient faire quelque chose de sérieux cette saison. On commence sur le premier joueur. Le premier joueur, je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo le connaissent, le gardien de but, c'est Thomas Didillon, les gars, qui était le numéro 2 du côté de l'AS Monaco. Il est arrivé aux Pays-Bas. Il est en train de se faire plaisir du côté de Willem II. Willem II qui n'est pas non plus une référence, on va dire, en termes de gardien de but ou de club. C'est pas non plus le meilleur club des Pays-Bas, mais c'est quand même un club historique. Il a fait 3 matchs pour l'instant. 1,61 contre le Feyenoord. Plutôt pas mal, puisqu'il n'y a pas eu de clean sheet, et ça, c'est franchement, c'est à noter. Le 67 points contre les Go Ahead Eagles, avec le clean sheet cette fois. Et ce week-end, il nous sort un petit 51 sans clean sheet. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ce goal? Il fait du puntos sans faire de clean sheet, et ça, c'est assez rare chez un gardien de but, parce qu'en général, quand le goal, il encaisse, t'as déjà vu les scores, hein, c'est un peu aberrant sur certains points. Ça peut être que du 35, du 34, ça peut pas monter très haut. Et lui, pour 10 euros les gars en ancienne génération, et eh ben il enchaîne les plus de 50. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite sur cette saison. En tout cas, il fait partie des hommes forts en termes de gain de but dans le championnat des Pays-Bas, mais aussi du côté de la Challenger. Et en tout cas, voilà, Thomas Didillon, il fait partie de ma liste en termes de gardien de but. On passe au défenseur. Le premier défenseur, les gars, que j'aimerais vous présenter, il s'appelle Pascal Strojk, le néerlandais qui évolue du côté de Leeds. Les gars, Leeds qui est retourné malheureusement en championship, en deuxième division, du coup, anglaise. Pascal Strojk, je ne sais pas si vous le connaissiez, il a 25 ans et sur les 3 premiers matchs, en tant que défenseur central, avec un Ilan Meslier au cage aussi, je tiens à préciser, hein. Leeds, 3 partout, donc il y a eu quand même pas mal de scores, il y a eu du moins 19, les gars. Mais il arrive à faire du puntos. Il a fait que 7,88, c'est pas fou parce qu'il a fait quand même un but qui vaut les 60 points. Mais sur le deuxième match, il nous sort un 17-14 de AA score qui nous pousse un score de 52. Et là, les amis, le week-end dernier, il nous fait un 56,32 de AA score contre Sheffield Wednesday avec un score de 91 pour Pascal Strojk. Je vais essayer de ne pas non plus rester trop longtemps sur chaque joueur, sinon cette vidéo va durer une heure. Il est passé donc par Leeds actuellement, mais avant c'était du côté des jeunes U19 de l'Ajax d'Amsterdam. 16 matchs là-bas, en tout cas du côté de Leeds cette année, il est en train de se faire kiffer. En termes de prix, le moins cher sur le marché actuel, il est à 15 euros, sachant que nous sommes, au jour où je vous parle, la Game Week elle est en cours, donc les joueurs qui l'ont utilisé ne sont pas en train de le vendre, tu vois le truc. Donc qu'ici quelques temps, le prix pourrait baisser un petit peu. 15 balles pour ce défenseur d'expérience qui pourrait vraiment montrer de très belles choses cette année, j'ai pas peur de le dire. On continue là les gars, c'est une pépite, enfin une pépite, c'est un joueur que j'ai découvert récemment en faisant des recherches du côté du Brésil, donc il n'y en a pas forcément
sur le marché des transferts de ce que j'ai vu. Mais c'est Joao Marcelo, les gars, je ne sais pas si vous connaissiez. Il est du côté de Cruzeiro, il n'a pas joué le week-end dernier. Mais franchement, il fait des scores de malade. Des scores de malade avec son équipe de Cruzeiro. Il évolue dans l'axe, c'est important de le répéter. Il a 24 ans, 1m89 le Brésilien. Et auparavant, il était du côté de Porto. Malheureusement, à Porto, il n'a pas explosé. Il jouait avec la réserve. Mais là, avec le Cruzeiro, il est en train de faire des vrais scores. Donc là, il n'est pas à vendre. Malheureusement, il n'y en a pas sur le marché. Je pense que beaucoup d'entre eux l'ont utilisé. Mais franchement, j'ai été très surpris de ces notes et j'étais obligé de vous le présenter dans cette petite vidéo. Joao Marcelo, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais déjà ce joueur et si tu connaissais déjà cette carte puisque elle est peu répandue et c'est ce que j'affectionne beaucoup. D'ailleurs les gars dans l'espace com, n'hésitez pas à l'inonder, à me dire quel joueur vous préférez et peut-être que le joueur le plus cité sera à gagner prochainement sur Twitter. Donc voilà, restez connectés les potos. On continue avec le quatrième défenseur et là attention les gars, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs actuels en défense. Il évolue du côté de Hambourg, en deuxième division, allemande, je précise. Et là, franchement, il enchaîne les masterclass. Il nous fait un 76 ce week-end en perdant 1-0. Il n'y a même pas de bonus clean sheet. 76 points avec un 41.9 de A à score. Le week-end dernier, 58, pas de clean sheet non plus. Il faisait 23-12 de A à score. Et encore avant, 29-24. Un petit score de 64, franchement, il se régale Miro Muheim et je pense que c'est peut-être le plus cher qu'il va y avoir sur le marché de transfert de cette vidéo. Parce que franchement, ça fait partie des top défenseurs. 15,30€ l'ancienne génération. Et si on regarde dans les paquets qui ne sont pas ouverts, d'ailleurs c'est au mois de septembre les gars qu'on pourra ouvrir les cartes, donc ça arrive très très vite. Le moins cher il a 26-27€. Franchement ça reste correct pour Miro Muheim, le Suisse qui est vraiment solide. On continue avec un joueur de Lorient. Lorient, cette année en Ligue 2, ça régale. J'aurais pu citer Formos Mendy, qui est très chaud aussi. Mais je voulais vous parler de Igor Silva, puisqu'il vaut 4,88€. Et ça, les amis, on aime beaucoup. Lorient qui n'a pas re-signé cette saison, normalement, avec Sorare, puisqu'il n'y aura pas, voire pas du tout, je crois, de Ligue 2 sur Sorare. Igor Silva, donc voilà, il ne devrait pas y avoir de nouvelles cartes qui vont sortir de lui, sauf s'il y a un transfert avant la fin. Le latéral de Lorient qui enchaîne deux matchs avec un 99 et un 69, les amis. Donc voilà, petit coquin qu'il est. 64.1 de A à score contre Martigues. Franchement, c'est incroyable. Pour un latéral, c'est incroyable. Comment tu peux me sortir un 64 avec 32 de défense? 32 points de défense, c'est fou. Et deuxième match contre Grenoble. Grenoble qui est quand même une équipe assez aguerrie du côté de la deuxième division française. Il nous enchaîne un petit 69, voilà, 34.5 de A à score. J'étais obligé de vous en parler parce que le prix me semble vraiment pas cher. 4 euros de mémoire, voilà, 4,88€ pour Igor Silva, le Brésilien. Les gars, c'est cadeau. On passe avec encore un défenseur qui était du côté d'Almeria, qui n'était pas super chaud. Je dirais pas son prénom, SR Dejan Babic, voilà. Babic le Serbe du côté d'Almeria, c'était pas exceptionnel, mais là il est arrivé en Russie du côté du Spartak Moscou et son début de saison les gars, je vous laisse regarder par vous même qu'est-ce que je peux dire de plus. Son plus petit score c'est 57 lors de la première rencontre contre Orenburg, ils ont perdu 2-0 et ensuite la plus petit score c'est 71 les gars, voilà, 36 de AA, 26-78 de AA sur ce match, 39-5. Voilà, franchement, il se régale. 21.8, mais il met un DS. 23.34, mais il fait un DS. Voilà. Babic, franchement, il régale sur ce début de saison avec le Spartak de Moscou qui fait partie quand même des équipes favorites du championnat russe. Le moins cher est à 7,08€. Serdjan Babic, je m'emballe un petit peu avec le prénom. D'ailleurs, s'il y a des Serbes qui nous regardent, n'hésite pas à me dire comment se prononce ce prénom. Mais Babic, j'ai envie de le mettre dans cette vidéo puisque il fait partie d'un championnat un peu atypique, la Russie, on n'entend pas trop parler. Il était du côté d'Almeria, il était 0, on va pas se cacher, c'était pas très foufou. Et là, régalade en Russie et du coup, une très belle découverte. J'adore quand les joueurs partent de 0 et deviennent exceptionnels par la suite. Franchement, c'est ce que j'affectionne le plus. On continue les gars avec un Renato Stéphane qui évolue dans le championnat suisse, milieu de terrain d'expérience du FC Lugano. 32 ans, donc lui, pour la petite histoire, il était déjà à Lugano l'année dernière. Je ne l'avais pas repéré plus que ça, mais il a fait quand même une saison plutôt correcte du côté de Lugano la saison passée, puisqu'il a mis 13 passes des 6 buts en 31 matchs. Et là, cette année, il est en train de nous faire un truc de gueudin, parce que là, deux matchs,
2 passes décisives, 1 but. Franchement, je vois que du vert foncé sur ce début de saison. Il nous fait même un 100 contre le Partizan Belgrade. Ok, franchement, très très solide. Et là, je t'ai obligé de le mettre dans cette vidéo. Renato Stéphane, il était passé par Wolfsburg, Bâle, Young Boys et le FC Thun. Donc là, le FC Lugano, c'est un peu une découverte pour lui depuis 2022. Mais Renato Stéphane, très très solide. Combien ça coûte? On va aller voir ça tout de suite. Milieu de terrain, ça c'est on a franchement 5,99€, qui dit mieux, 6,35€. Vous pouvez vous faire kiffer avec un Renato Stéphane qui pourra peut-être vous faire vibrer lors de multiples Game Week. Et en plus, qui joue l'Europe. Et là, c'est le Bradley d'Angers, les gars. Pour la petite anecdote, il vient de chez moi. Donc voilà, dans les jeunes, il jouait dans les petits clubs locaux, un peu là où j'ai évolué. Donc je connais un petit peu, voilà, je connais un petit peu. Bradley d'Angers, qui est du côté, les amis, du Red Star. Et Red Star a pris 3-0 le week-end dernier. Il fait un DS avec un tackle en tant que dernier défenseur, mais il fait 18,02. Et quand on regarde la saison passée du côté de la Ligue 2, franchement, il s'est régalé. 6 buts, 4 passes décisives, mais franchement, il fait des scores de malade. Et avant ça, il était du côté du Rodez Aveyron Football. Tu vois, je te disais, il était derrière chez moi, le Havre, Mont-Saint-Michel. T'as reconnu. Donc voilà, Bradley d'Angers, j'étais obligé d'en parler dans cette vidéo aussi, parce que au milieu de terrain, il fait du sale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite dans cette Ligue 2. 11,90€. Mais après, je te rappelle, on est encore dans la Game Week. Donc peut-être que les prix vont changer. On continue, les amis, avec le joueur suivant. Alors là, c'est plutôt un pari, je dirais. C'est Kidjana Hoiver, qui appartenait à l'Ajax Amsterdam et qui arrive du côté de la Auxerre. Il a joué son premier match contre le FC Nantes. Défaite 2-0. Dédicace à Sonic, d'ailleurs. Bien joué le FC Nantes. Dédicace aussi à Romigno du FC Nantes. 22,56 pour son premier match avec la Auxerre. Je ne sais pas ceux qui ont regardé le match ce qu'ils en pensent. Mais en tout cas, il a vraiment un bon profil, puisqu'il a fini la saison passée, on va dire en canon, avec Stoke City. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en Ligue 1 pour ce jeune joueur de 22 ans qui appartenait à l'Ajax Amsterdam, les amis. Je dis des conneries, au PSV Eindhoven. Voilà, je sais plus lire sur les maillots. Et il y en a un seul en vente, il est à 102€. Donc clairement, ne l'achetez pas. Non, blague à part, on peut le trouver beaucoup moins cher, hein, quand je le regardais avec les amicaux qu'il a réalisé cet été. Franchement, pour 10 balles, tu peux l'avoir. Là, donc là, attendons si la Auxerre il sorte sa carte aussi. Mais Kidjana Hoiver, franchement, j'attends beaucoup de voir ce que ça peut donner à l'avenir. On continue. Et là, franchement, petite surprise. Karamoko Dembélé, vous l'avez connu du côté du Stade Brestois. Et là, il est arrivé du côté de la D2 anglaise avec Queen's Park Rangers. 2 matchs au milieu de terrain et 2 DS pour lui. Une passe décisive contre Sheffield United avec un score de 74. Et ce week-end dernier, contre Plymouth, il nous fait la passe D, mais il nous fait un 99,39 de AA score. Donc j'ai hâte de voir la suite de Karamoko Dembélé, qui passait aussi par le Celtic, Stade Brestois. Pardon. Alors le moins cher, nouvelle génération n'existe, 33€. Et sinon c'est 18,82€ pour Karamoko Dembélé. On continue. Et là les gars, un joueur qui est passé par le Celtic Glasgow et Sturm Graz en Autriche, que j'affectionne beaucoup, c'est Albian Adjeti, le Suisse qui est aujourd'hui, roulement de tambour, en Suisse, au FC Bâle. Et B, il est en train de faire un très très bon début de saison avec le FC Bâle. 5 matchs, 3 passes décisives, 3 buts. Que voulez-vous de plus, les amis? Je ne sais pas ce que je peux vous dire plus. L'année dernière, il était clairement mauvais, puisqu'il a fait 2 petits buts, une passe décisive en 9 rencontres. Mais là, avec le FC Bâle, cette année, il part sur les chapeaux de roue et j'ai hâte de voir jusqu'où il peut aller. Albian Adjeti est revenu à domicile dans le championnat suisse. 11,50€ pour l'attaque en Suisse. Dis-moi dans l'espace com ce que t'en penses, mais en tout cas, moi je pense, en toute honnêteté, que ça peut être une belle saison de sa part. En joueur bonus, les gars, Philippe Zinckernagel, qui était du côté du super club belge, le club de Bruges, et qui est arrivé du côté du Bodo Glimt. Première entrée en jeu, premier match, 22 minutes de jeu, 2 passes décisives. Qui dit mieux? Qui dit mieux? A voir ensuite s'il va prendre une place de titulaire, tu vois. Il est passé par le Standard de Liège, 10 buts, 2 passes D. Club de Bruges, 7 buts, 5 passes D. Ça reste correct. Avant ça, à Nottingham, voilà, Watford. Donc là, il était auparavant déjà, à l'époque, à Bodo Glimt. 136 matchs, 43 buts, 38 passes décisives. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et c'est pour ça que je l'ai mis en joueur bonus de cette vidéo. Et tu peux l'avoir pour combien? 4,50€, le moins cher sur le marché
des transferts. Et le dernier joueur bonus, c'est Inigo Cordoba, qui vient d'arriver et rejoint son frère du côté de Burgos. C'est un attaquant qui était du côté des Pays-Bas avec le Fortuna Sittard pour Inigo Cordoba. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Il coûte 4,50€. Décidément, je clique sur le mauvais bouton. 4,50€ pour Inigo Cordoba. Premier match avec Burgos, il était remplaçant. Il est rentré, il a obtenu un penalty. Il va jouer récemment encore parce qu'il n'a pas encore joué au moment où je te tourne cette vidéo. En tout cas, voilà, avec Burgos, il a obtenu son penalty, 61 points. Et avec le Fortuna Sittard, c'était pas trop mal. Hâte de voir ce que ça va donner en D2. Du coup, du côté du CF Burgos, Inigo Cordoba, qui est le frère de Aitor Cordoba, qui est titulaire en défense du côté de l'équipe de Burgos. Voilà les amis, pour la présentation de ces joueurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous êtes vraiment des boss. N'oublie pas, si ce n'est pas encore déjà fait, le pouce, le follow et le commentaire sous cette vidéo avec le joueur que tu affectionnes le plus. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Sorare. A plus les amis.